Salut YouTube. Alors comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui on va parler du changement qu'il y a en Thaïlande au sujet de la conduite, mais surtout du permis à points. Comme vous savez sûrement, la Thaïlande a changé pas mal de choses depuis milieu fin d'année 2022. Et là on arrive en 2023, il va y avoir encore de nouveaux changements. J'en profite pour vous souhaiter une bonne année, mais surtout la santé pour 2023. Perdons pas plus de temps et commençons la vidéo. Commençons déjà par l'augmentation des amendes et les peines de prison potentielles pour les infractions routières. Alors depuis le 5 septembre, en fait, pas vraiment, car la police laisse 3 mois de grâce aux anciens barèmes, histoire qu'on ait le temps de se faire au code de la route. Donc pour crier un feu rouge, ne pas s'arrêter à un passage piéton, maintenant on peut avoir une amende allant jusqu'à 4000 bahts, contrairement à 1000 bahts avant cette réforme. Pour rouler en contresens, ne pas porter un casque de moto ou la ceinture si on est dans une voiture, c'est une amende pouvant aller jusqu'à 2000 bahts contre 500 bahts avant. Si vous êtes reconnu coupable pour conduite dangereuse ou mise en danger d'autrui, vous risquez une amende entre 5000 et 20 000 bahts et ou jusqu'à un an de prison. Alors qu'avant, c'était une amende entre 2000 pouvant aller jusqu'à 10 000 bahts et une peine de prison jusqu'à 3 mois maximum. En ce qui concerne l'alcool au volant, c'est une amende pouvant aller jusqu'à 20 000 bahts et ou une peine de prison. En cas de récidivise dans les 2 ans, après la première condamnation, c'est une amende pouvant aller jusqu'à 100 000 bahts ou une peine de prison obligatoire pouvant aller jusqu'à 2 ans, toujours dans le sujet de l'alcool au volant. Le siège bébé, qui n'était pas obligatoire jusqu'à présent, devait l'être dès le 5 septembre avec les nouvelles lois routières, mais finalement, c'est pas encore le cas. Sur l'article d'où je sors mes sources, hein, et je vous mets le lien d'ailleurs dans la description, disait que ça se fera plus tard dans l'année, mais là on est déjà en 2023 et je n'ai toujours pas vu de nouvelles à ce sujet-là, donc il va falloir attendre. Donc en ce qui concerne le permis à points, ça va commencer à partir du 9 janvier. Si vous perdez tous vos points, votre permis sera suspendu pour 90 jours. Donc on aura tous 12 points, hein, comme ce qu'on connaît déjà en France. Alors concernant les infractions qui vont vous retirer un point. Ça sera les petites infractions, comme un petit excès de vitesse, ne pas s'arrêter à un passage piéton, le téléphone au volant ou conduire sans plaque pour 2 points. Ça sera pour griller un feu rouge, conduite à contresens, conduite sans permis ou avec un permis suspendu pour 3 points. Ça sera les courses illégales et enfin 4 points qui sera le retrait maximum en cas de faute. Ça sera d'ailleurs pour les fautes graves comme un très gros excès de vitesse. Et comme en France, donc, il est possible de rattraper des points, déjà tous les points perdus seront réattribués au bout d'un an. Et si vous avez peu de points, il est également possible de faire un stage. Donc quand le système de points sera mis en place, il sera possible de vérifier son nombre de points sur un site internet. Je vous mets pareil le lien dans la description. Alors une question que certains se posent, est-ce que la Thaïlande va devenir comme la France? Car comme en France, on peut voir des radars de vitesse. Personnellement, j'en ai pas vu encore des mobiles en Thaïlande, mais j'ai vu beaucoup de fixes, notamment sur la route pour aller à Chiang Mai, mais aussi dans la ville de Phuket. Enfin, quand je dis beaucoup, c'est relatif, hein. C'est beaucoup moins qu'en France, c'est sûr et certain, mais il y en a quand même et j'ai des amis qui sont déjà fait flasher. On a en Thaïlande aussi des radars à feu qui existent aussi en France, c'est-à-dire dès qu'on va crier un feu rouge, il y aura une caméra qui va filmer notre plaque et on va recevoir chez nous une amende. J'avais vu aussi une news sur les radars pour les conducteurs de moto cette fois, ceux qui portaient pas de casque. Alors je sais qu'il y en a sur Chiang Mai, mais aussi sur Phuket. Et on a sûrement dans d'autres villes, hein, mais je suis pas au courant. En fait, il peut repérer les gens en moto qui ne portent pas de casque. Et pareil, ça leur envoie directement des amendes. Et une chose que l'on a en Thaïlande, mais qu'on n'a pas vraiment en France, c'est la délation. Et c'est même un gros business en Thaïlande. Le gouvernement a lancé une plateforme pour faciliter la délation, en ligne donc, pour pouvoir dénoncer les fautes au code de la route faites par les automobilistes. Alors au début, c'était très axé sur le fait de ne pas laisser la priorité aux piétons qui souhaitent traverser. Donc on pouvait voir des gens où ils recevaient de l'argent tous les jours. En fait, ils filmaient sur un passage piéton des gens qui souhaitaient traverser et qui ne pouvaient pas parce que les voitures ne s'arrêtaient pas. Ils vont sur le site internet, ils uploadent la vidéo, ils remplissent le formulaire pour recevoir leur argent.
et puis ils recevaient de l'argent un peu tous les jours parce que c'était leur travail. En fait, ils recevaient un petit pourcentage de l'amende que l'État leur versait. Alors, il n'y a pas seulement le passage piéton. J'ai vu récemment, il y a aussi, vous savez, les camions, parce que généralement, c'est des camions. Quand ils accélèrent très vite, il y a un gros nuage de fumée noire. Et bien ça, si vous le filmez et vous le mettez en ligne sur la plateforme avec le formulaire, il est possible de recevoir de l'argent parce que la personne va recevoir une amende. Donc, c'est devenu un vrai business, un vrai métier. Certaines personnes font ça toute la journée, reçoivent des milliers de bahts. Alors personnellement, moi, je suis contre la délation. Mais il m'arrive d'être piéton en Thaïlande et je sais à quel point c'est difficile de traverser une rue. Pas seulement difficile, mais aussi très dangereux. On risque sa vie. Hein. Alors si c'est le seul moyen pour que les automobilistes apprennent à respecter les piétons, à s'arrêter, bah, c'est une bonne chose. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pareil, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. N'oubliez pas de partager et surtout de vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine.